Ça tourne quand tu veux. T'es folle. T'es complètement folle. T'es complètement folle de me faire ça. Et c'est pas contre toi? Mais je te parle pas de ça. Je te parle de l'heure. On avait dit 6 heures. Hein. Bon, laisse tomber. Qu'est-ce que c'est cette tenue? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai? Mais depuis quand tu portes des hauts comme ça? Bah c'est un haut à moi. Qu'est-ce que tu veux boire? De l'eau fraîche, ça ira. Ou rien. Bon alors? Alors quoi? Tu veux savoir qui c'est? J'ai pas envie de deviner. Hein. Tu m'as dit que je l'avais déjà vu, alors c'est qui? C'est Sauveur? C'est Jérôme Sauveur? Qui ça? Bah non, il s'appelle Alain. C'est le garçon que j'ai abordé dans le parc quand on s'est disputé. Mais tu te fous de ma gueule. Mais non, pourquoi? Je vais hurler. Je te préviens, je vais hurler. T'es amoureuse de lui? Enfin, tu l'aimes? Non, je crois pas. Je crois que c'est toi que j'aime. Et vous allez vous revoir? Oui. Ce qui fait bien l'amour? Je sais pas s'il fait bien l'amour, mais j'adore le faire avec lui. Pourquoi? Tu veux savoir? Ben oui, oui, je veux. Oui, oui, j'ai envie de savoir, oui. Ben, lui m'encule et toi tu m'enculais jamais. Je savais pas que tu... Je savais pas que tu allais être enculé. Ben moi non plus. Puis il y a juste un truc aussi, ça m'a un peu effrayée, c'est quand je lui sens, il tire la langue. Il tire la langue? Ouais, mais maintenant je trouve ça mignon en fait. Puis tu vois, il m'a d'abord baisé longtemps, bien, plutôt consciencieusement. Et puis, quand je me suis mis à jouir, il s'est retiré et il m'a mis la queue entre les fesses. Ok, ça va. Non, mais attends. J'avais très peur, hein. J'avais le cœur qui battait très fort. Je me suis rétractée. Et du coup, bah, il a enlevé sa queue de mon cul et ça m'a rendue complètement folle. Je me suis mise à hurler. Et bah, du coup, il me l'a mise à fond. C'était énorme. Tu peux pas savoir comme c'était bon. Enfin, non. C'est vrai, tu peux pas savoir. J'étais épanouie, quoi. J'étais dilatée. Il y a juste un truc que j'avais peur de pas assez bien laver le cul, parce que... D'ailleurs, sur le drap, ça faisait comme du café au lait. La haute totale. Attends, ce que t'es en train de me dire, c'est que vous avez fait ça sans mettre de préservatif. Il a fait le test, il est négatif. Mais comment tu le sais? Comment tu sais qu'il est négatif? Parce que il sort d'une rupture. Il a atrocement souffert, il a pas fait l'amour depuis 2 mois. Ça n'a rien à voir. Mais comment tu sais qu'il a pas fait l'amour depuis 2 mois? Il a fait les tests? T'as la preuve? Je te dis qu'il a atrocement souffert. Il a même cru qu'il resterait impuissant. Ah ouais. Donc un type sensible, délicat, qui t'encule, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que c'est 2 mois? Écoute, j'ai pas envie de parler de ça. C'est fait, fait et refait. Et ça va continuer? Oui. Écoute, moi je comprends pas, là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. T'as dit que tu m'aimais. Écoute, ça a rien à voir. Je t'aime. Oh merde, je suis hyper en retard. Mais tu plaisantes. Tu viens juste d'arriver. Attends, tu vas quand même pas aller le... Tu vas... Enfin, t'as un rendez-vous avec lui? Sois pas banal comme ça. Hein? Prévisible. Parce que je suis prévisible, moi. Ouais. D'accord. Mais écoute, c'est pas de ta faute. Il y a une projection de son dernier film, là, qu'il a tourné en Islande. Faut que j'y aille. Super. On se revoit quand? Je sais pas. Tu sais pas? Bah rends-moi mes clés. Vas-y, dépêche-toi, rends-moi mes clés. Merci. Et une dernière chose, il s'appelle comment? Je t'ai dit Alain. Oui, mais Alain comment? Alain de Xanthrax. Bon, allez, salut.
Ah, c'est bien, hein.